Bonsoir, bienvenue sur l'antenne. Aujourd'hui, je vais vous parler de dernière réalisation de Communauté SkyWorld. En même temps, je vais prendre un moment pour féliciter tout le monde avec le 14 juillet. Chers collègues, nous savons tous que tous les passagers de transport public souffrent d'un épuisement total qu'on appelle la fatigue de voyage, avec ses attributs tels que l'apathie ou la perte d'énergie, la fatigue chronique, la mauvaise humeur. Quand nous le savons, vous êtes dans le sous-sol pendant moins
de minutes, ça ne lui traite pas votre santé. Les effets néfastes sur santé sont suivants: bruit extrême, champ électromagnétique puissant, claustrophobie, promiscuité excessive dans les espaces souterrains, de transport à la chaîne. Une nouvelle étude sur de nouveaux bruits dans le système de transport de la ville de New York, le chercheur de la Mailman School of Public Health de l'Université de Colombie, on a constaté que le niveau de bruit souterrain peut dépasser ce recommandé par l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence américaine de la protection et l'environnement. Selon l'étude, l'exposition au bruit pendant seulement les 30 minutes par jour, mesurée dans le transport public de la ville de New York, peut entraîner en perte l'audition, l'air inhalé, contient de nombreuses substances potentiellement rendant la fonction la source de lieu. La voiture privée n'est pas non plus propice au confort de voyage, car elle reste bloquée dans le trafic quotidien, ce qui rend le conducteur nerveux, ce qui stress chronique, notamment la nécessité d'analyser l'investissement, la situation routière ou la conduire là-dessus des sécurités. Le fatigue de voyage est également causée par la psychologie humaine, les systèmes vestibulaires ne pas faire face au freinage de l'accession fréquente, aux vibrations, le choc des bruits. En outre, le fatigue des passagers dépend non seulement le mode de vibration du corps, mais aussi la durée de l'influence, c'est l'accélération. Le développeur de la technologie de cordes a publié un article décrivant que l'état actuel de choses dans l'éco-technoparc a été le rayon de cordes et élément clé de complexe de le transport de l'infrastructure par cordes. Grâce à cette conception, le matériel roulant n'est pas menacé par l'embouteillage et les accidents, et le cordon routier n'occupe pas de grande surface. Il existe différents types de structures cadres. Ils sont tous présentés sur le territoire de Ecotechnopark à Biélorussie. Chacun de ses propres caractéristiques, mais le chemin de fer cordé spécialement un viaduc de transport léger, robuste et durable. Si nécessaire, la structure de la voie permet d'accueillir la ligne de communication en fibre optique, la ligne électrique, la ligne de produits. Et la structure basée sur la corde précontrée tendue, elle a deux supports massifs ancrés. Entre les deux, les rails sont soutenus des supports intermédiaires légers. Le support ancré peut être le bâtiment en combination avec le gare, le centre commercial, le bâtiment résidentiel industriel. Le support peuvent également être utilisés pour l'éolien et centrales solaires. L'éco-technoparc dispose de 5 supports de rails à la cordon différents, flexibles, super légers, rigides, semi-rigides et cargo spécialisés. Chacun entre eux est conçu pour tester le fonctionnement de transport dans les différentes conditions, avec des paramètres portés de spécialistes matériels différents en fonction de l'objectif, l'intensité, le type de matériel roulant qui passe, la vitesse de transport sur la voie ferrée varie entre 50 et 150 km par heure. Le principal type de matériel roulant, tant pour le transport de marchandises que pour le transport de passagers, peuvent circuler sur la toute structure et la mentionnée ci-dessus. Et ils peuvent présenter tous les avantages suivants: la durabilité, douceur de la voie, faible capacité matérielle,
possibilité de fonctionnement de température extrême, le faible diamètre, le guidage, ils sont amplement au-dessus, ils sont optimisant l'aérodynamisme, augmentent la vitesse de transport, garantissent un niveau élevé et la sécurité ensemble du complexe de transport. En bref, c'est là. Transport de notre avenir. Donc, on continue avec les nouvelles. Nous avons des nouvelles de Rwanda. L'intérêt marqué mon board pour la technologie innovante en matière de transport, infrastructure de code, a permis aux représentants du projet de se rendre à Kigali. La capitale rencontrait la ministre infrastructure, Monsieur Ernest Nzabimana, la maire chargée de l'urbanisation et l'infrastructure de Kigali, et la directrice générale d'innovation, El City. Les membres de la délégation ont présenté l'adoption pour le projet transport des passagers ont invité les ingénieurs des spécialistes de Rwanda et se rendre le Sharjah pour en savoir plus sur cette technologie. Les discussions ont porté la priorité sur un éventuel projet de chaîne entre Kigali et l'aéroport en construction. Cet itinéraire pourrait permettre aux passagers d'entendre leur destination rapidement, en toute la sécurité, le confortablement. Certaines options pour la construction d'un réseau de transport public à Kigali ont également été envisagées. Le Rwanda est conscient que les principaux avantages du transport à corde, l'efficacité financière, son respect de l'environnement, son applicabilité dans les terrains vallonnés et son adaptabilité. Adaptabilité aux conditions sociales locales. C'est sur la caractéristique de la technologie lors la de Rwanda, on a exprimé leur intérêt pour la construction des voies ferrées. Et voies ferrées ont également indiqué la première étape de mise en œuvre pour le projet proposé. Mes amis, nous avons fourni des informations provenant d'une filiale de Moyen-Orient de développeurs de technologies à corde sur le projet au Rwanda, mais en même temps, ces informations sont complétées par un rapport de la société sur la possibilité d'appliquer des complexités de transport d'infrastructures à Lesotho également. Ceci a été précédé par la participation d'entreprises au Forum international Rwanda 2022 à Kigali. Lesotho est également très intéressé par la technologie de code des Unitski, car le problème de transport, ils sont pas moins aigus que Rwanda. Les pays trouvent une altitude de 1 400 au-dessus du niveau de la mer et très plutôt difficile à construire la liaison de transport traditionnelle ici. Le transport par avion peut devenir une alternative abordable et efficace, car son potentiel est plus grand dans nos régions, les reliefs difficiles. La structure ferroviaire ne nécessite pas la construction des remblais, des points de jonction, les ponceaux, d'autres structures. Grâce aux grandes portes entre le support de 2000 mètres, le téléphérique peut être poursuivi au-dessus des divers obstacles. Lors d'une réunion avec le Premier ministre de Lesotho, Monsieur Mokgweetsi Majoro, l'utilisation de transports pareils légers dans la capitale Maseru a été discutée. D'ailleurs, le roi Letsi, le troisième, cette nation africaine, avait déjà visité le centre de démonstration d'essai pour le transport aux Émirats.
Des négociations sont actuellement en cours. Le gouvernement de Lesotho sur l'organisation d'un travail commun pour la mise en œuvre de projets dans ces pays. Donc, nous avons actuellement deux pays différents, même trois pays différents, le Nigeria, Lesotho et Rwanda. Actuellement, on travaille dedans. Chers abonnés de Système RSV, voici d'autres nouvelles importantes de la branche chargée du projet. Comme vous savez probablement déjà, l'installation et la phase construction, la création d'une voie ferrée, chaque élément de tréteau doit être installé au moment et dans les ordres précis. La structure semi-rigide devrait être composée d'un grand nombre d'éléments, donc chacun remplit une fonction spécifique. Composite constitue une protection rigide mais légère contre l'influence environnementale et autres influences extérieures. La corde elle-même supporte la charge nécessaire, tandis que le profil de l'aluminium permet de transmettre de courant électrique sur longue distance avec des permis minimales. Tous ces éléments forment ensemble un viaduc ferroviaire pour que les éléments des structures de la voie fonctionnent collectivement. Toutes les phases de construction doivent être strictement respectées. Le déroulement de cordes n'est que d'autres. La section de la voie se compose de deux types de torrents utiles, galvanisés sur la face inférieure, avec la propriété anticorrosion remarquable. Donc, on fait le bon travail là-bas grâce à la bonne organisation du travail. Et, messieurs, dames, regardons un court vidéo qui est spécialement préparé pour vous aujourd'hui. À tout de suite. Voilà, messieurs, dames, on continue avec de nouvelles. La publication anglaise Railway Technology a publié un article mettant en avant des solutions efficaces de transport par corde pour le transport de passagers. L'entreprise qui développe cette technologie de transport et infrastructure est très tôt. Ils peuvent être utilisés dans un certain nombre de domaines. Il s'agit notamment le transport urbain et interurbain de la passagère, les véhicules électriques sans pilote sur les roues et la scie qui se déplacent au-dessus du sol à une vitesse pouvant atteindre jusqu'à 150 km par heure sont capables de transporter efficacement des personnes jusqu'à 50 000 personnes par heure. Vous pouvez imaginer le chiffre, 50 000 personnes par heure. Les caractéristiques de la technologie des cordes permettent d'organiser le transport au maximum des passagers au coût minimum. Les véhicules peuvent avoir la capacité différente. Le roulant peut être combiné pour la formule train. Plusieurs véhicules, le nombre de véhicules ferroviaires électriques dont ces chaînes dépendent la densité de la densité de trafic de passagers, les complexes de transport et infrastructures en chaîne peuvent être utilisés pour les relier de zones métropolitaines
métropolitain et suburbain, la ville peuvent également être reliées aux aéroports, ports maritimes, aux grandes gares ferroviaires. La solution est également capable de fournir un lien de transport efficace entre la ville. Les avantages des complexes de transport d'infrastructures en Chine sont les suivants. Tout d'abord, la sécurité, l'accessibilité, la grande vitesse, le respect de l'environnement, l'adaptabilité. Le complexe des transports d'infrastructures de cordes peuvent être construits dans des zones relativement difficiles. Et dans les régions, les conditions naturelles et climatiques difficiles, la possibilité de poser en ligne des chemins de fer sur les routes, des voies ferrées, les lignes électriques, des zones résidentielles, les sites industriels existants, rend cette solution flexible dans son application. Tous ces avantages, mentionnés, permettent au système de transport d'infrastructures de type district répondre en mieux aux exigences actuelles en la matière de transport et passagers. Chers amis, je partage avec vous notre bonne nouvelle de Sharjah concernant les avantages du transport à la Chine par rapport à ses concurrents. Son potentiel environnemental est bien supérieur à celui de d'autres systèmes de transport existants. Il est plusieurs fois plus durable, respectueux de l'environnement, plus confortable, plus économique, et plus n'importe quel mode de transport connu grâce aux avantages suivants. Tout d'abord, aucune émission de gaz, effet serré de substances toxiques, faible consommation de ressources d'énergie à toutes les étapes sont six cycles de complexes. Le viaduc ferroviaire ne perturbe pas le relief. La biogéosonose, la biodiversité de zones naturelles et des viaducs ferroviaires devraient pas être fertiles de la végétation. Le chemin de fer funimable n'attrape pas de circulation des eaux de souterrain et surface. La personne, comme les animaux domestiques et de la faune, le concept relie élèvement au-dessus du sol permet d'oublier l'embouteillage et les accidents. Et le système de protection contre les déraillements accroît de la sécurité en manière sans précédent. Donc, et je vous donne un peu de chiffres, passant des systèmes de transport durable de cordes et, pour en économiser chaque année sur 25 millions de tonnes de kilomètres de route à grande vitesse pour brûler cette quantité de combustible, il faudra pas gaspiller 100 milliards de tonnes d'oxygène supplémentaire provenant de l'atmosphère suffisamment pour la permettre à 60 milliards de personnes. Et donc, notre art de transport pratiquement universel. Porteur de transport à cordes à solution d'infrastructures, développement des zones, sous-développement des déficits d'accès, la création de réseaux uniformes de voies surélevées pour le transport des marchandises, des passagers et des voies interurbains à grande vitesse. Donc, qu'est-ce que nous pouvons également faire? Ça, je vous explique. Des industries liées à la production de transport à cordes, la viaduc et le matériel roulant, comme la métallurgie, l'industrie chimique, la pétrochimie, la radioélectrique, la construction mécanique, etc. Changement qualitatif de la structure économique, croissance des PIB des pays et la région, création de nouveaux emplois dans presque tous les domaines.
Nous avons le plaisir de partager avec vous un autre message très intéressant provenance des Émirats. La firme United Vehicle Robotics, un développeur de la technologie par corde, a fait la démonstration de drones cargo entièrement autonome basé sur l'hélicoptère dans le ciel de Ras Al Haïma. Le personnel du bureau du projet à Sharjah était premier à évaluer des avantages potentiels de l'utilisation de ces drones pour la construction puis l'exploitation en ligne ferroviaire à grande vitesse dans ces zones difficiles d'accès. Les drones haute portance peuvent transporter des charges utiles. Le plus important est de rester à l'air plus longtemps, contrairement aux autres drones dont les charges utiles sont ils sont petits et en termes de vol, c'est plus court. Il peut aller impressionnant entre le 200 et 2000 kilos. Il est considéré comme ultra élevé parmi le drone civil. Le drone peut résister à la condition difficile et voler indépendamment des routes et pistes d'atterrissage. La gamme d'applications de drone dans le transport à corde peut inclure la livraison de matériaux de construction lors de la construction de cordes dans les endroits inaccessibles comme montagnes, forêts, zones humides, obstacles d'eau, etc. L'observation optique et surveillance de tâches techniques, structures de la voie, les situations d'urgence lors de la détection, l'élimination des défauts, des dysfonctionnements des éléments de la structure de la voie, etc. J'ai encore préparé une vidéo, donc regardez cette vidéo. Comment cette technologie a été développée? Là, voilà. On va continuer. Donc, le projet d'éco-habiter avec système d'énergie. Je m'excuse, ça a été le problème technique. Le projet éco-habiter avec un système d'énergie renouvelable est conçu pour un nouveau type de cluster résidentiel relié par des réseaux de transport rapide dans le concept d'une ville verte avec l'énergie verte, une économie hautement développée. Il est actuellement mis en œuvre en fait d'objet une démonstration en tant que modèle de travail en 5 pistes opérationnelles au centre d'essai, la certification du projet à Sharjah. La mission écologique est conçue pour l'avoir un impact, la maison est écosystème indépendant qui fournit ses habitants non seulement l'électricité, le chauffage et climatisation, mais aussi des éléments biologiques cultivés sur place. Toute la maison, une serre haute technologie permet de cultiver des fruits, des légumes toute l'année, grâce à un sol fertile spécialement créé à cet effet.
Ces serres changeront radicalement l'agriculture, représentant un pas important vers la résolution du problème de la pénurie d'énergie. Concrètement, le projet des maisons écologiques s'est déjà concrétisé sous la forme d'une maison à décor à Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Il est seul à entre construire les bois. La maison est l'alternative plus écologique, économique, en maison de traditionnel en briquet et béton. Dans le même temps, le bâtiment conforme à tous les réglementation en matière de sécurité incendie de l'éco-architecture, bureau et conforme à tendance aux normes mondiales. Donc, nous faisons aussi pas seulement le transport, mais aussi le bâtiment. La division de la technologie de corde des promoteurs basés aux Émirats Arabes Unis. Faire une présentation de systèmes de transport de passagers, on peut être facilement intégré dans l'environnement urbain et présent un certain nombre d'avantages en temps, sécurité accrue de transport à grande vitesse grâce au déplacement de matériel roulant hauteur, un espace minimal occupé par les passagers aériens de trains de corde qui peut être facilement adapté à toutes les tâches logistiques, des coûts de construction et d'exploitation inférieurs à ces autres types de passagers aériens de ce métro. Le premier route urbain a déjà mis en service à Sharjah. Il est entièrement certifié et comprend les éléments suivants. La station maintenance et matériel roulant, comprend une salle de contrôle, tableau de distribution, des serveurs, des ateliers, etc., de garde des voyageurs, deux points d'appui intermédiaires pour des appuis d'ancrage, combiné gare, structure ferroviaire, matériel roulant pour les voyageurs, etc., etc. Bien sûr, je vais parler beaucoup. Regarder la vidéo parce que on explique de façon comment le transport développé dans les villes.
Voilà. Très intéressant, n'est-ce pas? On va continuer de nouvelles d'Afrique. Monsieur Lawson Bass, l'Organisation pour le développement des chemins de fer africains, il est ingénieur ferroviaire, formateur en maître de conférences et la construction ferroviaire à Londres et a évolué et professionnel la technologie de transport par corde et infrastructure à Sharjah selon un Middle East. Au cours de sa visite, l'expert britannique, un vue mondiale tropicale innovant, un traitement certifié en port de conteneur pour le véhicule roue assis à très grande vitesse, ainsi qu'un aperçu détaillé des productions, l'exploitation des équipements de transport de bagous et activement impliqué dans l'Union africaine. Il participe au développement de plus de 60 000 km d'infrastructures ferroviaires sur le continent africain pour les relier des principales villes d'Afrique, traverse les continents du nord du sud et est de l'ouest. À ce stade, en traçant des 12 000 km est envisagé, devrait être achevé d'ici de 2026. Dans ce cadre de cette infrastructure, la voie ferrée en Nigeria qui passe par Calabar, c'est une capitale de l'État de Cross River, une ville partout sur le transport de marchandises, revêt d'importance capitale. Michel Mbagous estime que notre technologie, la Unitsky technologie de transport d'infrastructures à cordes, pourrait être une solution alternative idéale pour la route des 80 jusqu'à 5 km et pour développer la vitesse entre 80 et 5 km par heure. Chers collègues, l'Expo 2020 a certainement été le point culminant à la présentation du transport à cordes public mondial, mais le travail dans ces domaines ne s'arrête pas là. Les deux promoteurs ont participé à Road Traffic Expo Middle East et National Exhibition Center à Abu Dhabi. Le stand de projet a attiré l'attention de nombreux visiteurs car il s'inscrit parfaitement dans les tendances actuelles de développement d'infrastructures de transport. Il a donc été visité par l'autorité de route de transport à Dubaï et par certains des clients régionaux potentiels les plus influents et les matières de solutions innovantes pour l'infrastructure de transport. Des représentants des ministères d'organisation de transport du Royaume Arabie Saoudite, le Royaume Bahreïn, Koweït, l'Égypte ont également attiré l'attention de la technologie par corps. Il ne fait pas aucun doute que la participation à la Road and Traffic Expo Middle East accroît le potentiel commercial de la technologie des cordes en tant que solution véritablement innovante, rentable et respectueuse à l'environnement pour les transports et infrastructures. Dans son ambition de mettre ses produits sur le marché mondial, elle était prête d'offrir ses futurs clients un partenariat faible qui garantit un service à haute qualité. Chers amis, nous avons le plaisir de partager avec vous les rapports du département Moyen-Orient des développeurs de transport accordé sur la visite d'une délégation de Frauscher Sensor Technology. C'est une entreprise de leader dans l'industrie ferroviaire avec le projet dans le plus de 140 pays sur tout le continent. Au centre, le test. Les certifications à Sharjah. La délégation était dans les cadres, le supérieur venu du monde entier. Les visiteurs ont vu les maquettes de la ville en présentation des technologies au cours de démontrer en grande puissance la ligne aérienne,
les rails des cordes, le cœur de la structure de rails des cordes qui combine la caractéristique en torrent flexible d'un poutre rigide, tandis que la rotation que la roue est assise de contact avec les rails assis réduit considérablement la friction des roulements, minimisant aussi les consommations d'énergie pendant le trajet, inspiré par le trajet d'essai sur le matériel roulant étiré. Les invités ont remercié les représentants du développeur des technologies pour la visite fascinante du centre. On a exprimé leur intérêt pour la coopération étroite à l'avenir. Une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux professionnels de développeurs de technologies de cordes, montre un camion en action. Ce type de complexe de transport infrastructure est idéal pour les zones difficiles d'accès et éloignées, par exemple dans les déserts ou dans les montagnes. Les routes à cordes peuvent résister à la condition météorologique difficile. Sa durée de vie peut aller jusqu'à 100 ans. Un autre avantage est contrôle total de chemin de fonctionnement interrompu 24 sur 24. Les systèmes de contrôle automatisé de type de structure de la voie surélevée permettent d'éviter les collisions avec les corps étrangers des accidents. Les accessibilités et rapidité de transport des marchandises doit être négligée. Le complexe est capable de transporter jusqu'à 5 millions de tonnes de fret par an. The Railway Technology, un média britannique, a récemment publié un article de transport par corde soulignant les avantages des solutions de transport des marchandises. Pourquoi le transport et marchandises par corde est une tendance prometteuse dans ce secteur? Les systèmes de transport des infrastructures à cordes offrent un certain nombre d'avantages. Traitons des matériaux coûteux et durables qui ne nécessitent pas d'entretien régulier. Les complexes de transport des infrastructures à cordes peuvent être utilisés comme lien entre les centres logistiques dans les zones éloignées de difficile d'accès. Les opérations minières, ils nécessitent une allocation minimale de terrain pour la construction et caractérisant une consommation de matériaux nettement inférieure à celle viaduc classique. Le transport par corps peut transporter jusqu'à 5 millions de tonnes de marchandises par an. Et en conclusion, des complexes de transport et infrastructures à corps qui sont très efficaces, faibles, respectueux d'environnement, ont le potentiel pour le devenir d'orientation populaire dans le domaine du transport de marchandises. La société américaine qui s'appelle Quadratics a annoncé sur le site web qu'elle il avait conçu la corde de distribution exclusive avec une société de développement du transport par corde en Moyen-Orient. Les détails d'accord ne sont pas connus. Toutefois, le site web Quadratics indique que la société désormais des droits de distribution transporte et accorde en Arabie Saoudite. The Quadratics Development, c'est une entreprise américaine qui fournit des services de construction de transport, utilise du béton léger et l'acier léger. Aujourd'hui, la plupart des projets de Quadratics se déroulent en Arabie Saoudite. Mes amis, maintenant, j'aimerais bien partager avec vous un point le plus important de dernière interview avec Michio Unitsky. C'est notre concepteur général, auteur de la technologie par corps. Il dit en particulier que l'année dernière, c'est pour nous, c'est une vraie histoire, que ça a été une plus difficile l'année en raison de l'épidémie du coronavirus et la poursuite des fermetures. Et nous étions liés en fournisseur les 10 ans des pays. De nombreuses entreprises
qui nous fournissent du fil de haute résistance, divers matériaux polymères et les équipes pour le matériel roulant de nos monocycles ont été fermés et qui nous obligeaient à chercher un nouveau fournisseur. Ça prend du temps, bien sûr. Quelque part, on a promis la livraison jusqu'à un an, quelque part même 2 ans. Cela signifie la force majeure pour notre entreprise. Et grâce à Dieu, on n'était pas fermé. Nous sommes en fait une entreprise de taille moyenne. Et nombreux de taille moyenne, ils sont fait la faillite, faillissement. Mais nous avons pas fait ça et nous continuons à nous développer et nous avons amélioré notre prestation. Monsieur Yunitsky, il a promis que nous signerons les contrats cette année et nous avons tenu cette promesse. Je peux dire qu'aujourd'hui, dans les différents pays, 4 contrats différents ont été signés. Nous annoncerons lorsque nous serons en phase de conception. Cette année a été très importante pour nous. Nous avons enfin commencé à la payer pour travail, bien que nous gagnions l'argent avec nos projets et pas seulement avec la technologie des cordes. Nous disposons d'un puissant outil en la production. Qu'est-ce que ça concerne la certification? C'est une question de conformité. Nous disposons d'un centre d'essai complet et nous testons le matériel et les composants du système de transport. Ainsi, le tout se concerne non seulement le véhicule électrique, mais aussi la structure de la voie, le support de l'alimentation électrique, les communications, le système de contrôle automatisé. Et nous connaissons toutes ces exigences et les intégrons dans le complexe. Après quoi, celui est certifié. Cette certification dès cette année par TÜV qui est délivrée pour la technologie U-Sky. Nous connaissons la réglementation à chaque pays. Et maintenant, j'aimerais bien dire quelques mots sur les projets étonnamment efficaces. comment fonctionne le transport de nos communautés de Unisky Student Technology? Regardons quelques exemples. Les véhicules sont faits avec le polycarbonate très léger, équipé d'un moteur électrique qui est ultra léger aussi. Il utilise les panneaux solaires et l'énergie éolienne, mais aussi l'électricité ordinaire pour le fonctionner. Les éoliens et les panneaux solaires sont utilisés pour produire l'énergie. Le moteur électrique super efficace consomme une quantité minimale d'énergie qui permet de réaliser des économies importantes. L'innovation de la communauté SkyWorld réside dans la caractéristique de conception de la structure de la voie, du système de contrôle automatique sur à l'intelligence artificielle. L'ensemble des solutions, l'ingénierie de la société permettent de réduire les coûts de construction de l'exploitation de plus d'un tiers par rapport à un monorail conventionnel et 5 fois moins cher par rapport à une autoroute ordinaire. Mes amis, j'aimerais bien maintenant conclure notre webinaire d'aujourd'hui. J'aimerais bien un peu résumer toute une longue année. Nous avons continué à soutenir ensemble, avec vous, ce projet étonnamment efficace, un transport qui permettra de donner des coupes de fou à des développements commerciaux de la technologie. Des titres sur le transport de cours sont apparus dans le CNN, The National, le temps dernier événement lundi a lieu de Dubaï. Et bien sûr, la chose plus importante, grâce à vos efforts conjugués, le projet SkyWorld est dans la nouvelle phase de développement au cours de l'année écoulée. Nous nous rapprochons d'un peu plus de réalisation commerciale du transport par corde.
Pour notre part, nous avons continué de souligner les événements clés des projets Skywalt dans nos webinaires, présentations, publications, etc. Il est l'occasion de discuter la personne qui construisent le transport à cordes, des personnes qui connaissent à travers des smartphones et des écrans ordinaires, ils sont rencontrés en personne à Sharjah, à Abu Dhabi, à Minsk, partout. Et je pense que nous allons vivre cette expérience encore et encore. Je vous remercie pour avoir autre nouvelle intéressante à partager avec vous dans le prochain webinaire. Passez une excellente soirée. Ciao, merci et j'espère que on va continuer le construire Skyway. Merci. Thank you.